L'escapade gustative des fêtes commence chez Nicolas avec des huîtres. Celles-ci proviennent de l'île d'Oléron. Des produits très frais, de qualité, c'est tout ce qui va sublimer la recette. Huîtres en sabayon au champagne. On cherche des huîtres aussi de gros calibre, c'est pour ça qu'on a pris des numéros 1, pour qu'elles restent charnues et que lors de la cuisson, ça permette d'avoir encore de la mâche. Ça se rétrécisse pas trop. Une recette aux petits oignons cébettes, tout frais, du champagne et des jaunes d'œufs. On va le monter en sabayon, c'est-à-dire l'émulsionner et cuire doucement les jaunes. Faut jamais que ça boue, faut jamais que ça soit sur une flamme chaude, brûlante. Ne pas cesser de fouetter le sabayon, ça évite les grumeaux. Y rajouter la crème liquide, le tout versé dans un siphon. Ensuite, pocher les huîtres avec le rôt. Faut pas que ça boue à gros bouillon. Que ça fasse fondre le beurre, c'est tout. Sinon, après, nos huîtres vont devenir caoutchouteuses. On cherche juste à avoir qu'elles soient juste chaudes, tout simplement. Il est temps de dresser le plat. Les huîtres encore chaudes, le sabayon avec éclats de noisettes. Les éclats de noisettes, c'est pour apporter du croquant. Signature finale avec la Mertensia maritima, une feuille d'huître végétale. Cette feuille d'huître, elle a le goût d'huître. Quand vous mettez dans votre bouche, vous avez l'impression de manger une huître, tout simplement. Et c'est pour encore rajouter ce côté iodé. Originaire de Dordogne, Nicolas est revenu au pays. Il a ouvert son restaurant à Thiviers il y a 6 mois.